qu'il y a un problème très urgent qui est en train d'arriver, qui est le problème du pouvoir d'achat des retraités. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il n'y a que le député des Français et l'étranger qui puisse faire ça. Mais c'est en Israël qu'il est le plus urgent de s'en occuper. Nous allons poursuivre notre série d'entretiens avec les candidats aux prochaines élections législatives qui, vous le savez, se tiendront les 5 et les 19 juin prochains, donc les élections législatives en France, avec des candidats pour le poste de député à la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio le professeur José Garçon. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu de si bon matin donc dans notre studio. On voudrait vous présenter. Alors, on peut dire déjà que vous êtes candidat indépendant et que vous êtes proche d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Voilà. Si je peux me présenter. Ça vous cible d'une certaine voilà, manière. Voilà, exactement. Je suis né à Orange, à Reims, Strasbourg, New York, etc. Et j'ai fait mon alia il y a maintenant un an et demi, où j'habite donc Jérusalem. Au niveau de profession, je suis actuellement professeur de géopolitique. J'ai été directeur de cabinet du président de la Bred Banque Populaire pendant longtemps. Et auparavant encore, j'étais aux Nations Unies pendant un certain nombre d'années. Donc dans la diplomatie, on peut dire, dans la diplomatie et dans le domaine économique, la banque, ce sont des secteurs que vous connaissez. Exactement. Et la banque, on va y revenir parce qu'on va parler des retraites. Bon, quand j'ai fait mon alia, j'ai été un petit peu émerveillé par cette circonscription où vous avez Athènes, Jérusalem, Rome, Constantinople, enfin le foyer de la sagesse, exactement, et de la culture. J'ai été aussi un peu surpris par le fait que dans la circonscription, il régnait un esprit un peu difficile, des choses qui pourraient être améliorées. J'ai constitué une équipe, avec notamment une dame, Clémentine Loisillon, qui est patronne de la French Tech à Istanbul, mm-hmm. et qui rêve de faire, entre la French Tech d'Istanbul, la French Tech de Tel Aviv et celle de Milan, une synergie, un rapprochement. J'ai constitué donc cette équipe, on a regardé les problèmes qui se posaient et on a pensé que nous pouvions apporter des solutions, un programme et porter une vision nouvelle, un peu différente de celle qui a régné depuis 10 ans dans cette circonscription. Alors, de quoi s'agit-il ? Déjà, il y a eu le problème de l'investiture. Mais si vous voulez, l'investiture, c'est deux choses. Aujourd'hui en France, l'investiture, c'est un peu le synonyme de cuisine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire l'investiture dans alors, le cas précis ? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire la candidate de La République En Marche n'a pas été investie la première fois. Il y a quelqu'un d'autre qui a été investi, puis il a été retiré, elle a été mise. Le député sortant, Meir Habib, dans sa propagande électorale, prend bien soin de se faire photographier avec M. Macron, etc., etc., et donc crée aussi une ambiguïté entre UDI et... Moi, je suis indépendant, et c'est ma force. J'ai décidé de continuer là-dessus. Cela étant, investiture, ça veut aussi dire pensée politique, proximité d'un groupe, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis adhérent de Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Je suis en harmonie avec les thèses qui sont défendues. Attendez, vous avez reçu l'investiture du parti d'Horizon ? Je suis adhérent. Ah, voilà. D'accord, ok. Il n'y a pas d'investiture d'Horizon, c'est La République En Marche qui a fait l'ensemble des investitures, et donc elle a fait pour tous les partis de sa propre majorité. Mais moi, j'ai adhéré depuis longtemps à Horizon, et je considère que les idées qui sont défendues par ce parti sont des idées qui méritent d'être... Alors, en quoi, par exemple, il y a une nuance entre vos idées, les idées d'Horizon, et les idées, par exemple, de La République En Marche et représentante ici ? Il faut qu'on sache aussi qu'aucun des partis... j'allais dire de la métropole, ne s'est vraiment préoccupé des Français de l'étranger. C'est-à-dire, vous ne trouverez dans aucun parti, de l'extrême droite à l'extrême gauche, un paragraphe,
un chapitre qui traite des problèmes concrets et urgents que nous avons à l'étranger en général. Et pourtant, et il y a bien 11 ou 12 circonscriptions. Voilà. Mais donc, le fait de se réclamer d'un parti ne dit absolument rien sur ce qu'on va faire ici. Et c'est pour cela que finalement, il y a peut-être une proximité politique ou une proximité de pensée, mais il faut fabriquer quelque chose propre à la circonscription, propre aux problèmes qui se posent, et ça, chaque candidat... A ses propres réponses, on va dire. Réponses. Alors, quelles sont vos réponses, on va dire, aux principaux... D'abord, quels sont les... On va aller directement... Quels sont les principaux problèmes que vous avez recensés et qui méritent justement un traitement rapide et qui... Alors, on a fait un programme. Oui. Ce programme s'est trouvé dans ce qu'on appelle la profession de foi, dans laquelle on détaille 10 propositions. Et j'ai été amené, il y a même pas une semaine, à changer les priorités dans ce programme, parce qu'il y a un problème très urgent qui est en train d'arriver, qui est le problème du pouvoir d'achat des retraités. Oui. C'est pas un problème nouveau, hein, parce que c'est de... Certes, mais... Depuis que le shekel s'est renforcé... Voilà. Que le... Et un économiste qui est un ami, un ancien collègue de l'abrètement populaire, Marc Toiti, a fait une prédiction sur l'euro qui est telle qu'on peut s'attendre à un shekel à 3,2. Si c'est pas... C'est-à-dire l'euro va descendre encore. L'euro, à cause de la guerre en Crimée, de tout ce qui en Ukraine, de tout ce qui se passe, de toutes les problèmes de sanctions, etc. On s'attend à ce que l'euro tombe, qu'il tombe fortement. Et là, c'est un problème d'une urgence totale pour les retraités. Et comment résoudre ce problème? Alors, j'étais à Paris la semaine dernière et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit comment faire avec une retraite de 1000 euros. Voilà. Et moi, j'étais à Paris pour le dépôt de ma candidature. Le taxi qui m'a amené à Orly me dit qu'il avait transporté deux couples la semaine d'avant de retraités qui repartaient d'Israël. Mmh. Donc il y a un problème, non seulement pour ceux qui vivent ici, mais il y a un problème de yérida, de personnes. Bon. Alors, pour s'attaquer à ce problème, il ne faut pas sortir des généralités, il faut être très concret. Il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a trois acteurs principaux. Il y a les caisses de retraite. Il y a l'abrètement populaire qui paye les retraites de tous les Français en Israël. De tous les Français. De tous les Français. Ouais. Et les banques israéliennes qui sont ici et qui reçoivent cet argent, etc. Donc, là-dessus, il faut, je dirais immédiatement, il faudrait demain matin engager une concertation, que ces trois partenaires soient autour de la table avec derrière le gouvernement français qui va s'attaquer au problème de l'inflation sur les retraites, et derrière aussi le gouvernement israélien qui, lui, est concerné pour la Alia et pour une Yerida qui pourrait venir, faire une concertation et essayer d'obtenir qu'une partie de la perte de change qui va se continuer soit supportée par l'un ou par l'autre. C'est très technique, mais c'est faisable. J'ai consulté avant de venir un ex-collègue à moi de la salle des marchés de la Brède qui me dit qu'il y a peut-être des possibilités de monter une assurance qui permette de limiter la descente du pouvoir d'achat. Mais en tout cas, il faut faire vite. Parce que les choses en Ukraine ne s'arrangent pas. Le problème de l'euro, lui, l'euro va continuer à descendre. Oui, et plus on attend, plus la pente sera difficile à remonter. Je constate qu'aucun des candidats dont j'ai entendu et vu les programmes ne s'occupe de ça. Évidemment, il faut une certaine... Ça semble difficile d'imaginer qu'on puisse, par exemple, arrêter à un taux fixe l'euro. Non, ça se passera pas comme ça. Ça se passera, si vous voulez, par l'acceptation de chacun des partenaires de prendre à sa charge quelque chose. Ben, l'État, par exemple, en France, va le faire pour l'inflation. Il va indexer les retraites en partie, évidemment, sur l'inflation. On peut imaginer... C'est une négociation. Ouais. C'est une négociation entre différents partenaires. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il n'y a que le député des Français et l'étranger qui puisse faire ça. Parce que chacun des acteurs que je vous ai cités, séparément, se moque complètement de la question. Je veux dire, les caisses de retraite... Par exemple, ce problème, il est commun à tous les Français de l'étranger? Non. C'est-à-dire, là, il est valable pour Israël parce que peut-être le shekel est une monnaie forte aujourd'hui. C'est peut-être pas le même cas pour les Français des États-Unis ou pour... Alors, dans notre circonscription, la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte, évidemment, sont des pays euros.
Oui, bien donc sûr. Évidemment, ils n'ont pas de problème. En Turquie, c'est le problème inverse qui se pose, ouais. C'est que la lire turque dévalue, donc ça augmente le pouvoir d'achat. Mais rassurez-vous, si on peut dire, en Grèce, il y a des problèmes fiscaux énormes pour les retraités, en Turquie de même. Donc le sujet est important dans toute la circonscription, mais c'est en Israël qu'il est le plus urgent de s'en occuper. Je pense que le 19 juin au matin, il faudrait tout de suite, enfin le 20 juin au matin, une fois terminé le deuxième tour de l'élection, il faudrait immédiatement engager quelque chose. Et ce que je disais, c'est que finalement, c'est le député des Français et l'étranger qui peut résoudre ce problème, parce que les acteurs ne sont pas concernés directement. Les caisses de retraite, ben, elle paye les retraites. La BRED, Banque Populaire, elle transmet les retraites. Les banques d'ici les reçoivent, etc. Et voilà. Et personne n'alerte, évidemment, le gouvernement israélien sur les problèmes de Alia et de Yerida. Et le gouvernement français, il a assez à s'occuper des retraités qui vivent en France. Donc, il y a une question dont personne ne veut s'occuper et que seul quelqu'un élu par la circonscription pourrait aborder en mettant tout le monde autour d'une table et en tirant une sonnette d'alarme. Ça, c'est le premier sujet, c'est le sujet déterminant. Voilà. C'est le sujet le plus urgent. Le plus urgent. Alors, derrière, quoi d'autre ? Vous avez, par exemple, le sujet de la fiscalité. Les avocats qui sont des avocats amis m'ont cité une dizaine de problèmes qu'ils qualifient eux-mêmes de bombes nucléaires avec un certain nombre de... Comme par exemple de, oh, c'est trop technique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est des doubles impositions, essentiellement. Ouais. Et, on va le dire diplomatiquement, peut-être un accueil pas trop favorable des Français au ministère des Finances en Israël. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de faire remonter le problème du côté technique, du niveau technique où il se trouve entre avocats, administration israélienne, etc., de le faire remonter au niveau politique, et à partir de là, essayer de faire quelque chose. Autre problème, tout petit, mais quand même important, le problème de l'accueil dans les différents consulats. C'est quelque chose, c'est des plaintes qu'on a reçues. Oui. Ah oui. C'est des plaintes très fortes qu'on a en Israël. Je crois que on les connaît. Malgré le caractère extrêmement sympathique et soutenu de la consul générale à Tel Aviv et du consul général à Jérusalem, qui en fait ne sont pas responsables de ce qui se passe. Il y a un excès de bureaucratie, on va dire. On retrouve la même chose en Turquie. Oui. Et on retrouve la même chose en Grèce. Comme par hasard, c'est dans toute la circonscription. Je pense que là, il y a une question toute simple de budget. Je pense que la France a mis beaucoup de ressources en place pour créer les conseillers des Français de l'étranger, pour permettre qu'il y ait des députés qui soient élus dans les 11 circonscriptions. Ben, il faut faire un pas de plus et faire en sorte que les consulats soient des maisons attractives pour ceux qui s'y rendent. Ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, ce qui est encore loin d'être le cas. Voilà un certain nombre de sujets. Évidemment, après, les sujets diffèrent selon les pays. Oui. Il y a par exemple, parce que c'est vrai qu'on s'est habitué au style de Meir Habib, qui est député depuis près de 10 ans maintenant, c'était aussi, dans son mandat, il inclut également une sorte de défense de l'État d'Israël au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça fait aussi partie de vos intentions ? Ah, pas du tout. Ah. Pas du tout. Je dirais la façon dont le mandat a été interprété est complètement contraire. C'est la personne élue est représentante de la France en Israël, pas représentante d'Israël en France. C'est une confusion qui a régné sur tout. Je soutiens évidemment tous les efforts qui sont faits pour l'affaire Halimi. Je soutiens toutes ces causes. Et je pense que Meir Habib est très éloquent là-dessus. Mais nous avons là un mélange des genres qui ne profite à personne. Si vous voulez, quand il y a un vote négatif, il y en a eu un récemment de la France, aux Nations Unies, un vote contre Israël, se lever pour défendre la chose n'a strictement aucun sens. Premièrement,
Les Nations Unies sont un jeu où tout le monde s'envoie des cadeaux. Je vote pour votre résolution, vous votez pour la mienne. Mais il y a toujours chez les électeurs français, en tout cas, une fibre qui vibre lorsque l'on défend Israël. C'est de l'émotionnel qu'on a cultivé, mais qui ne correspond à rien, parce qu'un vote de la France aux Nations Unies contre Israël ne correspond rigoureusement à rien. Et le troisième point qui me choque profondément, c'est que c'est un peu humiliant pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël a un gouvernement, il a un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, quel qu'il soit, et ces personnes-là sont compétentes. Elles savent prendre leur téléphone, appeler M. Macron et lui dire « c'est pas bien ce que vous avez fait ». Si elles ne le font pas, c'est qu'elles ont d'autres raisons. Donc quand on voit cette espèce de défense émotionnelle d'Israël, moi je me dis finalement, les gens pensent qu'Israël n'est pas capable de se défendre tout seul, il faut que quelqu'un vienne à sa rescousse. Mais Israël est un pays craint. Puissant aux Nations Unies. C'est-à-dire, à l'Assemblée nationale, il y a souvent des courants qui ne sont pas particulièrement favorables à l'État d'Israël. Il y a des courants qui sont favorables, mais le travail du député... Vous considérez que le travail du député des Français de l'étranger, c'est de se focaliser sur les dossiers dont on vient de parler jusqu'à présent. De s'occuper de sa circonscription. Vous avez un ambassadeur d'Israël en France, c'est son travail. Oui. Vous avez un ambassadeur de France en Israël, c'est aussi son travail. Vous savez, quand on mélange les genres, enfin, on ne gagne sur aucun terrain. Mm-hmm. C'est ça le sujet. Quand il y a eu le grand discours sur Sarah Halimi, le président de l'Assemblée nationale a réagi très négativement. Enfin, je ne sais pas ce que ça a apporté au dossier. Ça aurait apporté énormément si les mêmes paroles avaient été prononcées par un avocat. Là, c'est encore autre chose. Mais dans une enceinte où il s'agit de députés de la République, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et d'ailleurs, ça aboutit systématiquement à des échecs. Alors, il nous reste une minute à peine. On sait qu'il y a, un problème sérieux technique pour les élections, puisque en tout cas, une partie de l'électorat, ceux qui sont pratiquants, vont avoir des difficultés pour voter le jour des élections du premier tour, puisque c'est la journée de Shavuot ici, d'ailleurs même en France. Il y a une possibilité... Oui, je crois que tous les candidats l'ont indiqué, le ministère a indiqué, on peut voter par Internet. Et donc je pense que les Israéliens pratiquants vont voter jusqu'à mercredi par Internet. Mais je souhaite vraiment que... ce cri d'alarme sur les retraites soit entendu parce que... Ça sera votre étendard principal C'est une question de semaines, c'est ça la question. Mm-hmm. La descente de l'euro ne va pas s'arrêter et plus on attend, moins il sera facile de remonter la pente. C'est ça le sujet. On l'a bien compris. Professeur José Garçon, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous exposer donc votre profession de foi et donc nous faire passer ce message concernant les retraites qui sera donc prépondérant dans votre campagne. Merci beaucoup et bonne chance comme on le souhaite à l'ensemble des candidats à cette élection législative pour les Français de la 8e circonscription, les Français de l'étranger, la 8e circonscription qui inclut donc l'État d'Israël et d'autres pays comme vous le mentionnez. Merci beaucoup José Garçon d'avoir été avec nous ce matin. Merci.